bonne performance et je dois dire que le programme a plu au jury et ça c'est important, ça laisse augurer que pour les prochaines compétitions elle aura une bonne cotation. Et là c'est l'allemande Simone Lang, elle est de Chemnitz tout comme le couple Wötzelsteuer. Chemnitz qui faisait partie de l'ancienne république démocratique allemande. Et d'ailleurs, elle a été entraînée par Jutta Müller, l'entraîneur de Catherine Avic. C'est une fille. Non, c'est un autre coach. Non. Peter Jonas. Triple salco. Vidin, double boucle. Triple boucle piqué, bien réussi, je pense qu'elle a posé le pied gauche. Triple salco réussi. Double selle, qui a réussi lui aussi. Une belle présentation, mais des sauts d'un niveau relativement faible, pas de type 1, pas de type 2. Donc, ça risque de la déclasser beaucoup. Vous regardez Magie sur glace, Banque Royale, au réseau. Alors, elle a 23 ans, on voit son entraîneur, l'homme à la casquette, c'est Peter Jonas, qui a pris la succession de Jutta Müller. Jutta Müller, qui était vraiment célèbre, c'est elle qui a formé Katarina Wettedo. Oui, et je pense que cette jeune fille maintenant s'entraîne à Oberstdorf.
Et là, on voit le départ du double axel, 1, 2 tours et demi. La sortie bien effectuée, belle glissade. Elle enchaîne ensuite avec un trou intérieur pour repartir sur un boucle piqué. 1, 2 et 3 tours. Donc triple boucle piqué. Belle sortie, bon mouvement. Et là, on voit le triple salco. 1 tour, 2 tours et les 3 tours sont effectués. Avec une position de jambe libre, le genou est beaucoup monté pendant la rotation. Donc ça ralentit d'ailleurs un peu le tour. Ah ben oui, c'est vrai, elle a dansé sur une danse écossaise, mais on aperçoit la casquette de son entraîneur, qui a tenté de l'inspirer avec sa casquette. Alors voyons ce que ça donnera comme résultat. Nous attendons les notes techniques. Je pense que pour les notes techniques, on sera relativement faible. Je pense que c'est pas très bien, du fait qu'elle ne tente pas des choses très difficiles. Enfin, pas très difficiles, c'est relatif par rapport aux autres compétitions. Oui, là, c'est l'autre américaine que nous verrons dans quelques instants, mademoiselle Gaskowski. Alors voilà les notes pour Simone Lang. La technique, vous avez raison, 5-3, c'est la plus forte note. Ça se situe d'ailleurs entre 5 et 5-3. 5-0, c'était la mesure. 5-2. Oui, un 5-4. Effectivement, le juge américain lui a donné un 5-4. Vous avez déjà été juge, vous, Alain? Je serais un mauvais juge, trop sévère. Vous voyez? Oui. Alors, les notes artistiques maintenant. 5-5, 5-2. Il y a un 5-5 du juge américain qui a été le plus généreux pour mademoiselle Lang et pour le reste, c'est dans les 5-1, 5-2, 5-3. Donc voilà pour Simone Lang. Et là, nous allons voir celle qui...